L'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023 a été le théâtre d'un retentissant coup de théâtre. Le 9 septembre dernier, la candidate incorrecte a été déclarée gagnante de la compétition. Trois jours plus tard, le comité organisateur a corrigé cette erreur. Cet incident est suffisamment rare pour mériter une attention particulière. L'élection de Miss France, organisée depuis des décennies, est réputée pour sa précision. Chaque année, des Miss sont couronnées dans chaque région et ont l'honneur de représenter leur territoire au concours national. Habituellement, ces sélections régionales se déroulent sans problème. Cependant, il est indéniable qu'un incroyable rebondissement s'est produit lors de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Le samedi 9 septembre à Nouméa, Mathilda Lelong a été couronnée Miss Nouvelle-Calédonie. Pourtant, trois jours après son sacre, une erreur monumentale a été découverte dans le comptage des voix. Il s'est avéré que Mathilda Lelong n'avait pas remporté l'élection et n'avait donc pas gagné sa place pour Miss France 2024. En réalité, la véritable gagnante était Emma Grousset, la candidate numéro 4. L'erreur a été identifiée par l'huissière de justice qui avait supervisé le décompte des voix. Elle a admis que l'erreur avait eu lieu au moment du décompte des voix du jury lors du second tour de l'élection, qui se déroulait entre les quatre finalistes.